les amis, salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons continuer la correction de l'épreuve du baccalauréat ACD 2020 sur la partie grande 2 dont logiciel d'application et programmation. Comme d'habitude, nous allons lancer notre logiciel PowerPoint pour la présentation. Alors, en grande donc, la première question concernait tout simplement les algorithmes. On dit, on considère l'algorithme ci dessous. Petit a, voici l'algorithme qu'on a donné en question. J'ai pris la peine de recopier l'algorithme et de faire ce qu'on appelle l'indentation pour que vous puissiez voir exactement le contenu du début et le contenu de la boucle tant que. On dit, déterminer la valeur de S lorsque n est égal à 3, vous voyez, c'est sur deux points. Donc, il s'agit tout simplement ici d'exécuter un algorithme comportant la boucle tant que. Alors, rappelons d'abord que la boucle tant que fait partie de ce qu'on appelle des structures de contrôle. On a cité deux, les structures de contrôle itératives et les structures de contrôle conditionnelles. Parmi les structures de contrôle itératives, il y avait la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. Autrement dit, on répète plusieurs fois une même instruction, d'où le nom de structure itérative. Pour les structures de contrôle conditionnel, on a cité deux, la structure conditionnelle complète et la structure conditionnelle réduite. Revenons donc à notre exercice. On veut donc exécuter l'algorithme ci, n'est-ce pas, et donner la valeur de S lorsque N est égal à 3. Alors, observez, vous faites donc mettre pause. Ça, c'est donc un tableau d'exécution que j'ai pris la peine de générer pour vous montrer exactement comment est-ce qu'on fait pour exécuter. Allons-y. On commence premièrement par recenser les variables prix qui sont dans notre algorithme. On a la variable S, la variable N et la variable I. Donc, dans la colonne variable, j'ai mis S, N, I, I. Au début, qu'est-ce qu'on dit? La variable S est initialisée à 0. Voilà donc les valeurs initiales. S est initialisée à 0 et I est initialisé aussi à 0. Maintenant, lorsqu'on dit N est égal à 3, ça veut dire que l'instruction LI, qui est une instruction donc de lecture qui permet de récupérer une valeur au clavier, lorsque l'instruction s'exécute, ça veut dire que l'utilisateur a tapé la valeur 3 au clavier. Donc, avant d'entrer dans la boucle tant que N vaut combien? 3. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire pour exécuter la boucle tant que pour pouvoir donc obtenir la valeur du S? Alors, la boucle tant que, c'est une structure de contrôle itérative. Autrement dit, on va répéter plusieurs fois les instructions S reçoit S plus I et I reçoit I plus 1 tant que la condition I est inférieure à N ou est vérifiée. Alors, lorsqu'on entre la boucle, I est égal à combien? À 0. I est égal à 0 ici. Qu'est-ce qu'on fait? Première instruction, on dit S reçoit le contenu de S plus 1. Voilà la valeur de S. S valait d'abord combien? 0, n'est-ce pas? Plus I. I. I vaut combien? 0. C'est pour ça que j'ai mis ici S reçoit 0 plus 0. Ça veut dire quoi? 0 est mis pour S, I. 0 encore mis pour I. Ça donne quoi? 0. Deuxième instruction, I reçoit I plus 1. I, le contenu de I, c'était d'abord quoi? 0. Ça reçoit le contenu de I, là, plus encore 1 qui est égal à 1. La valeur de N n'a toujours pas changé. On a exécuté une fois les instructions contenues dans la boucle tant que. On se pose donc la question, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Autrement dit, est-ce que I est toujours inférieur ou égal à N? I, ici là, à cette ligne, est égal à quoi? À 1. N égale à 3, oui, 1 est inférieur à N, alors on réexécute une fois les instructions. On passe donc ici à la deuxième colonne, donc on réexécute encore les instructions ici. Première chose, S reçoit S plus I. Nous sommes ici, le contenu de S était quoi? 0 à l'état précédente. Maintenant, I, le contenu de I c'était 1, donc ça fait 1, 0 plus 1 qui est égal à 1. Maintenant, on dit encore I passe à I plus 1. I valait combien? 1. Ça fait 1 plus 1 qui est égal à 2. On a fini d'exécuter les instructions pour la deuxième fois. On se pose encore la question à savoir, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Autrement dit, est-ce que I est toujours inférieur ou égal à N?
i est égal à 2, n égal à 3, 8, 2 est bien inférieur ou égal à 3, alors on réexécute encore les instructions pour la troisième fois. Nous sommes donc sur cette colonne, ça veut dire s reçoit s plus i. Nous sommes ici, s reçoit ce qui était dans s, c'était quoi? 1, nous sommes d'accord? Ça fait 1 plus i. Ce qui était dans i, c'était 2 à l'état précédent, ce qui donne 3. I reçoit i plus 1. Ce qui était dans i, c'était 2. Ça fait 2 plus 1, ce qui est égal à 3. Nous sommes à cette étape. On se pose encore la question à savoir, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Autrement dit, est-ce que i est toujours inférieur ou égal à n? I est égal à 3 et n est aussi égal à 3. 3 égale à 3, donc i est toujours inférieur ou égal à n. On réexécute encore une fois les instructions. Allons-y. S reçoit s plus i. Ce qui est d'abord dans s, c'était 3. Et ce qui est dans i, c'est 3. Ça fait 3 plus 3, 6. N ne change pas. Et i passe en quoi? I plus 1 qui est égal à a, 4. On a exécuté encore une fois les instructions. On se pose la question, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Autrement dit, est-ce que i est toujours inférieur ou égal à n? Là, i est égal à quoi? À 4, n est égal à 3. Non, c'est plutôt le contraire. I est plutôt strictement supérieur à n. La condition n'est plus vérifiée. Alors, on sort de la boucle tant que on dit donc écrit s. S, le contenu de s à la fin, c'est combien? 6. Donc, le message qui sera affiché à l'écran, c'est 6. Donc, pour répondre donc à la question, lorsqu'on demande de déterminer la valeur de s lorsque n égale à 3, vous allez répondre la valeur de s à la fin de l'exécution de l'algorithme, c'est 6. Alors, je pense avoir pris la peine d'expliquer la procédure d'exécution d'une boucle, d'un algorithme contenant la boucle tant que. Alors, c'est pareil pour la boucle répétée, aussi pour la boucle pour. On va donc avancer. Maintenant, en petit b, on dit, on considère toujours l'algorithme ci-dessous. Que fait cet algorithme? Alors, lorsqu'on demande donc que fait l'algorithme en question, on va revenir un peu en arrière. Lorsqu'on regarde l'algorithme en question, n'est-ce pas? À la fin, on va remarquer que l'utilisateur nous a entré la valeur n égale à 3. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché 6. Alors, si on essaye donc de voir donc l'évolution du contenu de la variable s, on va remarquer que s a été égal à 0, plus 1, plus 2 et plus 3. Donc, comme s est égal à 0, plus 1, plus 2 et plus 3, et que l'utilisateur nous a entré n, alors l'algorithme a donc calculé 0, plus 1, plus 2, plus 3. Donc, les 4, a donc effectué la somme des 4 premiers nombres entiers naturels. Autrement dit, calcule la somme des n premiers nombres entiers naturels, ou encore la somme des nombres entiers naturels allant de 1 à n. Si vous remarquez là, s est égal à 0 plus 1 plus 2 plus 3, ça est égal à 6. C'est encore la somme des 4 premiers nombres entiers naturels, ou encore la somme des nombres entiers naturels allant de 0 à n. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, l'algorithme calcule la somme des n premiers nombres entiers naturels ou effectue la somme des nombres allant de 0 à n. Si au début n était plutôt égal à 6, ça devait faire 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Si c'était égal à 10, on devait aller de 0 à 10. Si c'était égal à 1000, on devait aller de 0 à 1000. Alors je pense donc que cette question a aussi été entièrement détaillée. Toujours donc dans le grand 2, on dit à la prochaine question, la programmation en JavaScript permet d'insérer des scripts dans un document HTML. Alors nous sommes d'accord que lorsqu'on veut écrire un script, autrement dit, lorsqu'on veut insérer du JavaScript dans un document HTML, il faut l'insérer entre les balises script ouvrant et script fermant. D'où la notion de programmation en JavaScript permet d'insérer des scripts. Petit a. Quels sont donc les types de logiciels utilisés dans la programmation en JavaScript? Alors, on vous a cité, pour faire du JavaScript, on a besoin de deux types de logiciels, à savoir un éditeur de texte, en cours un, et encore un navigateur. Lorsqu'on parle de navigateur, il peut aussi être appelé interpréteur. Donc, on a besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur qui va permettre d'interpréter le code JavaScript.
Donc, c'est ce qu'il fallait citer en petit, bien dit. Exemple donc pour chaque type. Exemple des éditeurs de texte, il y en a tellement. Blocknote, Notepad++, n'est-ce pas? Vous pouvez compléter en disant Sublime Text, VS Code, ainsi de suite. Donc, on a un ensemble d'éditeurs de texte. Et comme navigateur, vous connaissez le navigateur. J'ai pris la peine ici de mettre les figures de quelques navigateurs. On a Mozilla Firefox. Voici l'icône de Mozilla Firefox. On a Google Chrome. Voici l'icône du navigateur Google Chrome. On peut aussi citer le navigateur Internet Explorer. Voici l'icône. Et aussi le navigateur Opera. Vous pouvez compléter en citant Safari et ainsi de suite. Toujours donc. Alors, nous venons donc d'achever donc la dernière question sur la partie donc logiciel d'application et programmation. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine et dernière vidéo où nous allons traiter la troisième partie de votre sujet qui concernait en fait le traitement de l'information et les bases de données. Merci pour avoir visionné et bon visionnage. Alors les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la touche s'abonner et d'activer la touche de la cloche de notification pour recevoir la correction du reste donc des sujets du baccalauréat. Alors à chaque fois donc que nous allons poster donc une correction, vous serez notifié si et seulement si vous avez coché sur s'abonner et activer la cloche des notifications. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon séjour.